Bonjour, mon nom est Marc Italien, je suis garde-parc naturaliste dans le parc national de la Gaspésie depuis déjà plus d'une trentaine d'années. Quand on m'a demandé de m'impliquer dans la revue Chic-Choc, parce que je pense que c'était ma deuxième participation, j'ai pas hésité parce qu'en fait, ça fait un peu partie de mon métier, de mon travail depuis toutes ces années, de présenter, de vendre la Haute-Gaspésie aux visiteurs, puis à mes amis, à la famille. Et souvent, ben, les gens ont plein de questions. La nature, elle semble endormie l'hiver, mais pourtant, il y a plein de choses. Si on est un fin observateur, si on écoute, si on regarde, ben, on peut voir des signes de présence. Il y a plein de choses qui nous montrent que, en fait, quand on circule dans ces milieux-là, que ce soit en ski, en raquette ou en motoneige, ben, on est dans l'habitat de certains animaux que eux ils vivent, puis en période hivernale, ils sont un peu comme... c'est la période difficile. Donc, quand on circule dans ces milieux-là, ben, c'est important d'être vigilant parce que parfois, nos gestes, nos actions peuvent avoir une incidence sur la survie de certaines espèces. Puis comme c'est la nature du Québec, c'est nos joyaux, c'est notre richesse, ben, si on veut que ça demeure comme ça, ben, d'essayer d'être discret dans nos déplacements, ça peut être une bonne chose, puis ça va permettre justement aux gens de venir et revenir et de pouvoir contempler cette nature-là. La Haute-Gaspésie est très forte dans sa nature, puis on n'a pas besoin d'aller très loin pour faire des belles découvertes. En tout cas, moi, ce que je vous lance, c'est de sortir dehors, puis de faire quelques pas dans la neige, puis d'aller découvrir ces magnifiques paysages là, de montagnes, de bord de mer, de bord de rivière. Puis, en tout cas, le terrain est magnifique pour les découvreurs, les explorateurs et les gens qui ont à cœur aussi de la protection de la nature.